some good things, and there's some things that we need to continue to work on and continue to get better at. And we're going to work on them, you know, those automatics. C'est normal que on est toujours en train d'améliorer l'équipe. Et puis, présentement, on a un paquet de jeunes attaquants qui démontrent des belles choses. Et puis, il faut continuer à travailler avec eux. Et en même temps, on a un attaquant avec beaucoup d'expérience qui est capable de compter des buts. Alors, je pense que c'est un bon mélange où ces jeunes-là, ils peuvent apprendre avec Didier. Mais en même temps, ils continuent à progresser dans leur chemin aussi. Et c'est ça, pour un attaquant, d'amener cette constance à chaque match et d'essayer d'être dangereux. Et si tu es capable d'être dangereux, les buts ils vont venir. Voilà, il y a Victor, Laurent, moi je suis là, il y a Ficheux qui pousse. On se bat tous pour essayer d'avoir une place. Et l'avantage aussi avec notre équipe, c'est que la profondeur est tellement grande, surtout en défense. Vous pouvez mettre qui vous voulez sur le terrain, ça change pas grand-chose parce que tout le monde adhère au principe de jeu qu'on veut mettre et tout le monde adhère dans l'attitude. Donc moi, je fais mon travail et c'est avec ça que quand je rentre à la maison le soir, je me sens honnête et je me sens bien d'avoir fait ce travail-là, peu importe les décisions après. I mean, you know, I just try to be as confident as possible while I got on the field, just knowing that, you know, that's probably one of the biggest games that I've played in my entire career, playing against the likes of Dad, Villa, Pirlo and those guys. I mean, you know, I did the best I could. And I hope, you know, I can build from that. Keep back.